Salut tout le monde, c'est Sito76 et on se retrouve pour la deuxième partie du mystère de Call of the Dead en compagnie de Wartek. Salut à tous les gamers. Isaac. Yo, ici. Et Isp. Yo tout le monde. Et bien sûr, Monsieur H34 Détach. Salut tout le monde. Donc, alors, l'autre fois, on s'était quitté sur un mur mystérieux en compagnie de Wartek et son VR11. Donc vas-y Wartek, à toi l'honneur de tirer dans le mur. Allez, on va faire éclater ce mur. C'est parti. Ah, et ça a pas de marcher, hein. Bah non. Eh bah non. C'est bizarre. T'as bien vu, ce n'était pas ça. Il reste encore plein d'étapes avant la fin. Alors c'est parti, on va tout vous montrer. Donc je vais laisser Wartek parler car il doit vous expliquer un truc assez compliqué au niveau des chiffres. Ouais, alors... À toi l'honneur. Ouais, si. Alors je vais expliquer. Donc dans le phare, il y a un code qu'il va falloir rentrer de haut en bas, qui est le 2746. Mais c'est un peu galère parce que les manivelles, enfin les petits minuteurs là que vous voyez, ils interagissent ensemble. C'est-à-dire que si vous faites tourner celui-ci, celui d'en bas va tourner et pareil pour les autres. Donc en gros, alors la meilleure technique, je vais la faire là. Donc c'est de rentrer sur le premier, mettre le chiffre 2. Ensuite, il va falloir avec l'aide de quelqu'un. Tito, tu peux te mettre au deuxième étage là, s'il te plaît. Ok. Là en fait, je vais aller au troisième étage et au moment où j'obtiens 7 sur celui où Tito est en train de regarder, il va me dire stop. T'as quoi comme chiffre là-haut? Moi j'ai 2, donc bouge de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, après il a 7 en haut. Je vais redescendre tout en bas. Il faut mettre 6 tout en bas. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc là, logiquement, il faut que j'aille au deuxième. Il faut qu'il y ait 4 au troisième. Donc il faut que quelqu'un reste au troisième. Donc, voilà. Donc là, il va falloir... t'es à 3, donc normalement un seul. Un seul. Ok, tac. Donc, voilà, là normalement, il y a 6 et 4 déjà au 2 du bas. Et là, normalement, j'ai juste à avancer de 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on va vérifier. Non, c'est bon. 2 en haut. Bougez. Oui, les enfants, dans les escaliers, on va pas passer. Hein. Alors, 2 en haut. Là, il doit y avoir 7. Ouais. Voilà, là, il y a 7. Il devrait y avoir 4 et 6. Normalement, ça devrait être. Je vais au dernier et là, je te dis. Là, ouais, c'est 4. Là, c'est 4. Là, et c'est je vais 6. Aller au dernier. Si le dernier, c'est 6, on est bon. C'est bon, on est good. Alors, ok, là, on est 4, bon. Donc on va se mettre aux 4 radios. Voilà, donc là, on va aller se répartir. Prenez chacun votre radio. Donc, d'accord. Moi, je vais à la première, électrique. Wartek, tu vas à laquelle? Moi, je vais aller à celle sur le deuxième bateau. D'accord, donc Wartek, celle sur le bateau. Moi, la première, donc la première se trouve en dessous de l'électricité. Donc là où vous avez l'électricité, il y a une radio sur un mur. Attendez, je peux pas y aller, il y a Papy Mougeau qui me dérange. Je vais montrer. Celle de Kizak, tu vas à celle de Porpoise Machin là, enfin de. Quoi qu'on s'appelle là, ce truc. Stamina. Non, j'y suis déjà. Ok, bah alors. T'en fais quoi de celle-là? Tu vas à celle du début, Kizak. Tu vas à celle là où il y a les personnages. Il y a les personnages, voilà. Donc je vais vite expliquer, vite fait en gros, où sont replacés, enfin placés exactement les quatre radios. Donc la première, il faut les faire dans l'ordre. Donc première, c'est celle de Titou. Elle est en dessous de là où vous allumez l'électricité dans la salle d'en dessous. La deuxième, c'est celle de Isp, qui est au Stamin'Up là-bas dans la salle où il faut casser le générateur derrière la maison. La troisième, c'est la mienne que vous pouvez voir ici. Et la dernière, elle est dans la salle où il y a Kizax, où il y a les quatre personnages. En fait, elle est sur une échelle, enfin sur un meuble, voilà. Donc on va faire ça dans l'ordre. Moi, je dis, quand je l'ai fait la mienne, ensuite c'est à qui? Vas-y, Kizax, ramène papier en bas. Hein? Non, appuie pas, Tito, attends, il y a Kizax. Ah oui, bah je m'en occupe et puis je me téléporte comme avec la passerelle, comme le tronc, idée. Vas-y, donc okay. Moi j'appuie, ensuite c'est à qui déjà? C'est à moi. Ok. Ah, là, j'ai appuyé. Vas-y. Moi aussi, c'est bon. Moi aussi, c'est bon. Et donc là, attends, je me suis téléporté avec la passerelle. Oh, là, ils ont dit. C'est bon, il est dans l'eau. C'est bon. Après, c'est bon. Donc là, voilà, on entend le bruit du... Voilà, on entend donc le petit bruit qui nous indique qu'il y a le sous-marin. Donc là, alors, c'est là que va falloir commencer à être... donc vous restez bien aux deux burns, là. Restez bien aux deux... Aux deux trucs d'acier là. Là il va falloir commencer à record le son. Ouais. Je vous explique juste vite fait la prochaine étape. Titou va aller activer les. Donc on va aller se rejoindre dans la. Ouais, bon, on se rejoint. Dans le truc du capitaine où il y a le. Comment ça s'appelle? Le guidon là et puis les deux manivelles à activer.
Et en fait, il y aura un son qui va être émis par les espèces de champignons en acier. Il va falloir qu'on reproduise le même son assez rapidement, donc ça va vraiment être chaud, quoi. Donc on va essayer de faire ça. On a 10 minutes pour reproduire le son, c'est bien ça? D'accord. Ouais, on a à peu près 10 minutes, donc oui, vous êtes limite. C'est dans le temps, donc essayez de le faire le plus rapidement possible. Bah, c'est moi aussi, ton micro a bugué un peu, mais... Peut-être, c'est possible. J'ai un micro de merde. Bon, attends, okay. Là, tout le monde commence à record. Ah, recordez-vous vos c'est trucs bon, et tout. Yves, bon. Voilà. Descend si tu peux, mais bon, reste là-haut, mettez ton à fond et tout, quoi. Alors, suis bien ce que je fais, Wartek. Ouais. Que tout le monde voit. Donc là, il faut bouger, cette manivelle, il faut la mettre... Attends. Normalement... Normalement, il faut la mettre comme ça. Donc le bâton... Le bâton plus foncé, 2 à droite, en fait. Vous voilà. Juste à droite. Ensuite, il faut baisser de 1 le premier et de 3 le troisième. Et là, et la là. Lumière s'arrête. Et on entend les... Donc, chute. Bah, il n'y a pas eu. C'est quoi le délire? On n'a pas entendu les trucs. Je me repasse la bande pour écouter. Ok, attends, j'arrive. Pas entendu les. À part d'y avoir eu les trucs. On a apparemment pas eu les trucs, mais attendez, on va le faire dans l'ordre qui est indiqué. Bah, rejoignez-nous, il faut qu'on se répartisse. Si, on les entend, on les entend, on les entend. On les entend. Je suis au premier. Hein. J'ai entendu un truc, mais. Ah putain, il y a. Oh, il y a le zombie là, il m'énerve. Non, non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ok, Kizak, mets-toi là. C'est pas pareil que hier? Non, c'est pas. Isaac, mets-toi là. Titou, mets-toi à l'autre à côté de l'eau là. Puis moi, je vais aller au dernier là-bas. Moi, je vais au toboggan. Ah, tu vas au toboggan? Isp, va avec Titou au toboggan. Ok. Viens donc avec moi, Ispouni. Donc la première, c'est censé être la mienne. La deuxième, c'est celle de. Attends. Ça va être celle de Titou. La troisième, ça va être celle de Kizak. La dernière, ça va être celle de Isp. Isp, tu vas à celle la plus loin du toboggan. Ouais, comme hier, ok. Et si jamais, appuie pas sur ton... C'est pas ça, on va écouter nos bandes et puis on va vraiment essayer de retrouver le son. Donc les entiers de quelle ordre, tu as dit? Donc la mienne, après la tienne, Titou, Kizak et Isp, ok? Ok, donc vas-y. Moi je fais la mienne, vas-y. La mienne? Kizak? Isp. Oui, on a la lumière verte. Et voilà. Sérieux? La lumière verte activée, voilà. Donc va leur dire, on va leur montrer un peu Wartek. Donc voilà, ouais. Avec moi. Ouais, montre la lumière verte. Oui. Avec moi. C'est moi parce que on l'a déjà vu en. Voilà, donc là vous avez bien compris la série. Non, moi j'ai pas un sniper. Ok, donc c'est pas grave, on va quand même pouvoir voir. Donc là vous allez pouvoir apercevoir que la lumière verte en fait se dirige sur un sous-marin. Donc le sous-marin. Voilà, il y a là, les... là. Ah, voilà. Vous voyez bien le sous-marin parce que là le brouillard s'est levé, donc vous voyez bien le sous-marin. Évitez de tirer sur, on va encore faire une connerie. Non, non, ça fait rien. Ok. C'est là qu'on voit quand même que les triarches s'est vraiment pris la tête sur la map quand même, parce que... Donc là, le sous-marin a apparu, il n'était pas là avant, hein, donc. Hein. Donc le sous-marin n'était pas là, hein, ouais, c'est... Faut bien le signer. Donc, pardon. Maintenant, on va aller donc en bas du phare, maintenant, et c'est là... Voilà, il faut emmener le rampant. Donc quelqu'un s'occupe de ramener Kassimoto, s'il vous plaît, loin. Ouais, j'y vais, c'est mon job. Parfait. Et moi, on va s'occuper du rampant. Okay. Vas-y, emmenez le rampant là, j'emmène le voilà, papy, regardez, ils sont par Buffy. Là. Papy Madeleine. Oh là 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 là. Au pédomir. Hey, je le suis que toi. Dans l'eau, faut le dans l'eau. Il me kiffe le papy, je suis là, il me kiffe. Donc là, j'explique vite fait. Qu'est-ce qu'on va faire. Donc là, on va amener ce rampant qui rampe à 2 km/h en bas du phare. Okay. Et en fait, il va falloir le transformer en humain et il va monter dans la lumière verte. Occupez-vous du Ouais, et il va monter dans la lumière verte, il faudra lui tirer dessus, et là il va lâcher le bâton doré, et après il suffira de... Il sera bien dessus avec mon laser. Ouais, ouais, toi, oui, voilà, il faudra tirer dessus au moment où il monte, avec le laser amélioré, enfin on va tous tirer dessus de toute manière, pour être sûr qu'il meurt. Oh, Kizak. Emmène-le, attends. Dégommez-le. Oh non, tu vas pas me dire qu'il va pas mourir quand même. Bah attends, il est allongé la boîte de toc. Il lâche en haut normalement. Tu le prends Artex? Bah écoute, oui, s'il est là. Elle est pas là la Golden Rod. Tu l'as pas la Golden Rod? Elle est tout en bas, non. Ouais, elle y est pas. Ah, la manche a recommencé. Et la manche a recommencé. Attends, il y a un truc qui est tombé, Y'a un truc qui est tombé? Ouais. Ah oui, elle est là, c'est bon, je l'ai. Ah,
C'est la Golden Rush. Arrête. Prends la, je peux pas la prendre. Moi, je vais juste prendre. C'est Titu qui l'a, ok, c'est bon. Faut faire la manche, les mecs, faut faire la manche. Je vais prendre la DG2, moi, donc la Wonder Waffle. Et puis là, normalement, on devrait avoir fini. Voilà, donc là, vous avez vu, Titu a bien mis le... Attendez, reculez de là, parce que vous allez prendre l'arme autour de moi. Reculez, c'est moi qui la prends. Titu, bouge. C'est qui la prend, mais c'est moi qui filme, là. Mais c'est pas grave, je prendrai mon bout au pire. Hey, y'a des zombies. Ah, faites gaffe, t'arrives. C'est pas grave. Je prends la collier. Écoutez ce qu'il dit. Titu, fais gaffe, elle va t'arriver dessus, pousse-toi. Titu, avance, elle va t'arriver dessus. Y'a des zombies, là. C'est pas grave. Je l'emmène. Oh, je peux mourir, moi. Dans ta cœur. Tu me bloques. Là ensuite, dès que là c'est fini, il faut mettre un coup de couteau dans le truc là, et là il va lâcher l'alarme. Dis-toi, c'est tout, tu vas l'arme. Non, mais il veut me défoncer, bah prends le zombie aussi. Bah j'essaye de le prendre, il vient, il a juste un petit cul, il a tout là. Fais gaffe derrière toi. Je suis bloqué. Je vais le plat du brossard derrière. Ah, il est énervé en plus le PD, putain. Oh mais sans deck, putain, fous-moi la paix, papy. Voilà, il vient vers vous, c'est bon. Donne-lui un coup de V11 pour s'y faire. Ouais, donne-lui un coup de V11. J'ai plus de balles. Ouais. Ramenez l'arme, C'est bon, j'ai récupéré l'arme. Et là, on a débloqué le succès. Ah oui. Déverrouillé, doublure. Doublure, donc là, vous avez le succès déverrouillé et une image déverrouillée. Oh le bordel! T'as vu, il est en train de me défoncer. Donc là, on est revenu sur ma caméra. Ah, nouveau casting, succès déverrouillé. Ouais, moi aussi, je l'ai. Ouais. Ramène-le dans l'eau. Donc à partir, on va essayer de défoncer le vieux maintenant. Défonce le vieux à la Wonderwash. On va le mettre dans l'eau, non? Faut pas, Non, le défonce. Moi, je veux le défoncer. Mets-le dans l'eau. Non, je veux le défoncer. C'est beau. Non, Romu, c'est moi qui le reste, c'est moi. Oh, moi, si je meurs, vous me relevez parce que... Il fait des dégâts. Donc à la prochaine manche, si t'as perdu. Oui. Je suicide. Je veux te voir mort. C'est mignon. Non, parce que la partie faut pas qu'elle dure non plus. De toute façon, tu me diras, j'ai le couteau balistique donc je serai pas de même. Je suis à toi. Je sens que tu vas aller loin. Oh, j'ai mis un headshot à la DG2, Norage. GG. Oh, il a le charognard. Voilà une des nouvelles armes aussi qu'il y a dans le jeu, c'est le charognard qui vient d'avoir Kizak. Un petit qui. Ici. Bon, il y a peut-être des petits bouts que j'accélérerai où il y a vraiment rien d'utile hein, quand même. Oh, bah la partie laisse là, hein. C'est le bonus. Ah, mais c'est le bonus pour avoir attendu quoi, ils ont attendu longtemps. Bon, on filmera sur ma vue parce que là j'ai toujours la DG2 donc. Ouais bah tu filmeras sur ta vue, moi ma vue je filme plus là. POM électrocuté zombie. Tout passe pas déjà. Non, en fait non, la DG2 c'est je l'ai illimité hein. Là je l'ai toujours, elle est illimitée la DG2. Illimité. En fait, t'as pas de balles illimitées, en fait, c'est juste... Non, j'ai pas de balles illimitées, mais je l'ai à un temps illimité. Ok. Le papy, je l'ai, c'est le bon. Jack, t'as perdu aussi. Oh mon dieu, non, mon kiki. J'ai perdu mon kiki. Non. Moi, je le relève pas, alors kiki. Salut, kiki. Non. Eh les gars, j'avais une sniper à chaque manche. On est plus que deux, Wartek. Ouais, voilà. Une balle de DG2, Ouais. Aïe, ils veulent ma peau. Et voilà, and the winner is... Oh my god. Et moi en même temps je me prenais avec une DG 200 balles. Quoi? Je me prenais avec une DG 200 balles. T'es mort. Donc voilà, donc on vous a bien montré le mystère, donc la fin c'était un petit bonus. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petit mot de la fin de Tizax. Je vous aime. Voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai envie de dire que c'était ghetto. C'était ghetto. Salut tout le monde. Voilà.